Salut à toutes et à tous, camarades. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu auquel je n'ai encore jamais joué. RimWorld, le simulateur de colonie, le jeu de simulateur de colonie. On va partir en noob. Je suis un gros, gros noob sur ce jeu. Mon temps de jeu se compte en minutes. J'ai à peine plus d'une heure. J'ai fait une ou deux petites parties test après avoir regardé un let's play. Je pars pas complètement à blanc non plus parce que le jeu est très, très complexe. Donc, j'ai regardé un let's play. Ça me tente. Ça me tente de tenter ma chance. Par contre, vous savez quoi? Je sais que vous adorez me voir souffrir, coyote que vous êtes. On va corser la difficulté qui déjà est bien assez élevée comme ça. On va créer une nouvelle colonie. Vous allez voir. En avant les aventures. On va partir en brutalité nue, c'est-à-dire qu'on va être nu, seul et complètement non préparé. Pourrez-vous survivre? Pas sûr, extrêmement difficile et injuste. On adore ça, vous adorez ça, coyote que vous êtes, je le sais. Donc on part en brutalité nue. On va, alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, simulateur de colonie, on se retrouve tout seul sur une petite planète, on va être à poil, va falloir qu'on survive. Il y a un maître du jeu qui gère un peu ce qui va nous arriver. Donc il y en a un qui est très gentil, c'est Phoebe, elle va nous faire jouer tranquillement, où tout va bien se passer. Vous avez des sous-catégories par maître du jeu pour vouloir vraiment très pacifique ou un tout petit peu. On a Cassandra classique qui va nous envoyer des difficultés croissantes au fur et à mesure de notre évolution, ce qui peut paraître raisonnable. Et on a ce coyote de Randy Random, qu'on appelle Randy Hazard en français, qui lui s'en fout totalement. C'est-à-dire que lui, il est aléatoire. Il vous enverra parfois des séries d'événements extrêmement difficiles ou injustes. On l'accepte. On est des calabrais, on est des survivants, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et on va corser ça encore pire, on va faire perdre est amusant. Pourquoi perdre est amusant? Parce que c'est paramétré pour être injuste et impitoyable, comme écrit ici. Donc, c'est recommandé pour les joueurs expérimentés. Je suis un gros noob, on va se débrouiller. On va voir si ça se trouve, comme d'habitude, hein, quand mon perso est mort, la série s'arrête. Et si jamais il y a d'autres colons, quand tous les colons sont morts, la série s'arrête. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je laisse quand même le mode rechargeable à tout moment, parce que si jamais moi je fais une connerie, que je plante le jeu par exemple, parce que je suis capable de ça moi, je ne sais pas, que je puisse au moins revenir en arrière, mais on va pas s'en servir pour tricher, hein. Vous me connaissez, si mon bonhomme meurt, il est mort, hein. Ça c'est la vie, hein. Si la saison fait 2 épisodes, tant pis, on a vu des saisons de Projet Zomboïde qu'on faisait 5, hein. Donc tout est possible, donc on part en brutalité nue, Randy Random, je bouge pas tellement tout ça. On va mettre 50%. Alors eux, c'est qui? Les violets, c'est des gentils. Eux, c'est des coyotes. Et eux, c'est des péons gentils. Et tous les autres veulent notre peau. Je l'accepte. Pourquoi pas? Générons. J'ai installé quelques modes. Alors, quand on joue en vanilla, il ne faut pas installer des modes. Mais moi, j'ai installé des petits modes que j'avais vus dans la vidéo. Caméra Plus me permet de zoomer pour voir la tête de mon perso. Invisible Conduite cache les conduits électriques. C'est moins moche. Et Wall Light, c'est simplement pour avoir des lumières dans les murs. Ça éclaire un peu moins, mais c'est des lumières dans les murs. J'ai trouvé ça très joli. C'est tout. Voilà, j'ai rien changé d'autre. Donc, on va habiter je sais pas où. Je sais pas où. On va habiter à poil déjà. Je sais pas trop où. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. On va se trouver une petite seed. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite des aventures. Ok les petits amigos. Bon, j'ai trouvé un petit coin. On est dans la toundra. Alors la toundra, c'est c'est ce qui est en Russie. C'est des espèces de grandes plaines très froides. Quasiment gelées. Peu d'arbres et de végétation. C'est dommage. On a une rivière à côté de nous. Pourquoi pas, on n'a pas spécialement besoin d'eau. On a ardoise, marbre et granit. La culture, c'est pas toute l'année. Hein. Faudra bien gérer. C'est de octobre à... Octobre, non, désolé. Ah, c'est en... Eux, c'est inversé. D'accord, on est dans l'hémisphère sud. Ok, faudra pas que je me plante. On peut ramasser quelques baies. On a 2 tribus non hostiles. Le cité de maraudeuse et lutin qui sont à côté de nous. Et on a de la colline. J'aimerais bien habiter dans de la rocaille. Je trouve que c'est assez sécurisant. Et eux, par contre, c'est pas des cools. C'est le traité carreau. Ah, ils sont neutres. Non, ça va. Bon, bah écoute, on va essayer d'habiter là. On se lance. On n'a pas peur. Et maintenant, par contre, alors attention. Maintenant, prérequis, notre premier colon. Le premier colon de la colonie. Le prérequis, c'est qu'il n'ait jamais ça. Je veux pas qu'il puisse ne pas faire quelque chose. Il est tout seul. Il faut qu'il sache faire des trucs. Dans l'idéal, il faut qu'il sache faire la bagarre. Le minage, ça serait bien si on doit creuser, mais c'est pas grave. Un petit peu de cuisine pour éviter de s'intoxiquer. Il faut qu'il sache faire de l'agriculture. J'ai vu qu'au niveau 8 en agriculture, il pouvait planter des herbes qui soignent. Il faut qu'il ait une base en artisanat. S'il n'a pas de base en artisanat, il ne saura même pas se fabriquer un arc et il va mourir assez vite. Quand ils ont 2 flammes comme ça, ça veut dire que même s'ils sont des buses, ils aiment faire ça. Ça veut dire qu'ils vont augmenter leur capacité plus rapidement.
Là, un petit peu, là, beaucoup. Donc, on va zapper, hein, on va regarder. Ouais, par exemple, lui, il est un petit peu court quand même, là. Par contre, agriculture, c'est pas mal. Cuisine, c'est un peu léger. Intellectuel, c'est pas ce dont on aura besoin au début. Putain, 10 en agri. 4 en arty, mais par contre, 0 en bagarre. Très mauvais. Oh, jamais je prendrai un mec qui a une coiffure comme ça. Je suis désolé. Elle, ça va. Elle est bien peignée. Médecine aussi, c'est bien. Ouais. Je zappe, hein. Je zappe, et puis je vous retrouve. Pareil, éviter qu'il soit tox. Éviter les toxicos, ça va poser des gros problèmes. Le mec est tout seul, et s'il tourne la carte, il va prendre un coma catatonique, il va tomber par terre, il va mourir de faim. Et je pourrais pas l'aider. C'est ça qui est triste. Lui, il a une sale tête, lui. Hein. 9 en mêlée, c'est Joe la bagarre, lui. Cuisine, agriculture, artisanat 6, c'est pas mal. Là, c'est une buse en médecine. Bon, je zappe. Je regarde. Voilà ce qu'il faut éviter à tout prix. Les addictions, parce qu'au début, tu peux pas gérer ça. C'est pas possible. Construction, c'est pas grave, je me démerderai. Bon, je zappe, hein, je vous retrouve après. Alors là, les gars, j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être un. J'en ai un qui souffre d'une cicatrice de griffure à l'auriculaire gauche. Donc son petit doigt gauche le fait souffrir. Ça peut lui poser des problèmes d'humeur. Ça peut être dangereux. Mais est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? Il est pas mauvais en mêlée. En tir, ça va. C'est une buse en minage. En cuisine, il est pas fort et il connaît pas. Ça veut pas évoluer beaucoup. Il a 10 en agriculture. Les animaux, il sait gérer les animaux. Il a 4 en artisanat, c'est pas mal. Et il a 10 en médecine et il adore ça. C'est un risque. C'est un risque de le prendre. J'hésite, j'hésite. Il est psychopathe, ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en fout. Il s'en fout des autres. Et nous, on s'en fout, on est tout seul. Donc les autres, j'aurais tendance à vous dire, on les emmerde. Il est cogneur. Il aime le corps à corps, c'est son truc. Bon, il est psychothérapeute. Donc voilà, il vivait dans une forêt près d'un village. C'est bien. Et c'est un survivant d'apocalypse. Quand il était jeune, c'était un survivant. Ok. Je sais pas. C'est un risque. J'ai peur que ça lui fasse mal et que ça lui pose des problèmes. Et surtout, j'ai peur que le fait qu'il n'aime pas spécialement la cuisine, il ne monte pas beaucoup. Mais j'aurais tendance à le tenter. On prend le pari. On va l'appeler lieutenant Dan. Si vous avez la ref, c'est un personnage d'un film. Si vous avez la ref, vous me le mettrez dans le commentaire, si vous savez. Mais... Lieutenant Dan, on a dit. Si vous savez qui c'est, mettez-le dans le com, sinon je vous le dirai. C'est pas grave, hein, c'est juste histoire qu'il ait un nom. Ça sera le lieutenant Dan, c'est notre premier colon. Psychothérapeute, psychopathe, ça va avec. Dan le zinzin. On est parti? On se tente? Allez, go. Caméra plus, invisible conduite, all light. Il arrive, il est dans sa capsule. Il va s'écraser, soyons prudents. Le voilà, lieutenant Dan, reste là. Fais voir ta tête. Oh la gueule. Sans déconner. Bon, ça va, il est bien peigné. Oh. Bon, alors tout ça, c'est de la colline, on est d'accord. Ça, c'est quoi? C'est moi. Ok, je regarde un peu ce qu'il y a autour. Il n'y a pas de. Oh, il n'y a quasiment pas d'arbres. Quasiment pas d'arbres. Ça, c'est quoi? Des caribous, c'est dangereux les caribous. Qu'est-ce qu'il y a comme faune? Il y a que des caribous. D'accord. Donc là déjà, on rigole pas. Par contre ici, on pourrait fermer très 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 facilement et on pourrait s'installer très 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 facilement ici même. Peut-être même carrément, on pourrait fermer ici et clore tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Travail. Bon bah il va être. Je passe en manuel. Pompier, patient, il va s'auto-soigner. Oui, ça, faut qu'on le fasse aussi, tant que j'y pense. Santé, tu vas passer en auto-soin parce que t'es tout seul. On accepte tous les médocs. Hein. Alors, opération. Cicatrice de griffure. C'est bien. Les besoins, il a besoin de quoi? Pour le moment, pour le moment, faut pas que ça baisse trop. Sinon, je vais dérouiller. Il est nu, il a frappé. Oui, je veux bien te comprendre. Donc Sabio, on a dit qu'il était. Il lui faudrait une arme de mêlée, ça serait pas mal. Niveau social, rien. En matériel, il a rien du tout. Et son journal est bien. Ok. Ce qu'on va faire, le planning, on va le mettre en.
Ouais, la nuit, ça caille. On va le mettre en temps libre le plus longtemps possible. Je crée pas de zone pour le moment. Mon petit bonhomme, lieutenant Dan, on va faire. Alors, généralement, dans tous les jeux de survie auxquels je joue, je vais déjà lui demander de couper du bois. Vous affolez pas, et puis on discutera en même temps. Ordre, couper du bois, coupe un peu de bois, coupe un peu de bois. Ça, c'est de la racine de vie. Ouais, vas-y, coupe du bois. Même si c'est pas très mûr, tu coupes du bois. C'est bien. C'est quoi ça? Je sais pas. Voilà. Fais-moi ça déjà dans un premier temps. Donc dans tous les jeux de survie auxquels je joue généralement, je réponds à un principe de base qui s'appelle le BBAA. Le BBAA, pour passer votre première journée, c'est à boire, à bouffer, une arme et un abri. Donc à boire ici, on n'en a pas besoin. Donc il nous reste le BAA. À boire, une arme et un abri. À manger, pardon, à bouffer, une arme et un abri. À manger, pour le moment, j'ai rien vu qui se mangeait. Mais par contre, il y a de la racine de vie, ça c'est bien. Et elles sont prêtes à récolter. Donc vous savez quoi? On va récolter. Voilà. Mais il me faudrait des baies. Ça, c'est des baies. Est-ce qu'elles sont prêtes à récolter? Non. Celle-là, prête à récolter. Celle-là, prête à récolter. Vas-y. On va se faire à manger. Même si c'est pas prêt à récolter, on va. Est-ce qu'il y en a d'autres sur la map? Me dites pas qu'il y a que ça. Sans déconner. Ça va être rude. Ça va être rude, ça va pas rigoler. Donc, potentiellement, il a un petit peu à manger quand il aura les baies. On va se faire maintenant une arme et un abri. Donc, pour se faire une arme, architecte, on va déjà se faire une maison avant de se faire une arme. Donc, mobilier, non. Structure, mur en bois. On va mettre un mur en bois ici. Et ça va nous fermer tout ça. Et on sera chez nous. Vas-y, lieutenant. Alors, dehors, il fait 4. Vas-y, tu me fermes ça, s'il te plaît. Ça va nous faire une zone de couverture assez rapide, je pense. J'ai bon espoir. On va faire une zone. On va faire une zone de stockage. On va faire une zone de stockage ici. Voilà. Et dans cette zone de stockage, on va stocker tout. Pas ça, pas les cadavres. On va stocker tout ce qui est les aliments, les plats, les matières premières. Et par contre, on va faire une décharge. Ok. Donc zone. On va faire une décharge où on va mettre nos bouts de cailloux. On va la faire là. Et dans cette zone, c'est pas une zone de stockage que je veux, moi. C'est une décharge. Bon, c'est pas grave. On va accepter les morceaux. Et les cadavres, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Bon, là, potentiellement, on a une maison qui est en train de se couvrir. Ça, c'est très bien, c'est très chouette. On va demander à étaler la zone de couverture. Zone. Étendre la zone de couverture. On va couvrir ici. Je pense que ça va pas s'effondrer. Normalement, c'est 6. On est à 6. Et là, on est à 6. Oui, largement. On est bon. Ici, je vais pas couvrir. Ça sert à rien. Ok. Donc là, potentiellement, on n'est pas trop mal. Donc, stop. Calme-toi. Production. On veut un lieu d'assemblage pour se fabriquer un arc. Quoi, mauvaise température, c'est pas grave. Dans cette zone, on va demander la fabrication d'un arc court. Ok. Et ensuite, on va demander. Alors, architecte, un lieu de dépeçage où on va dépecer des animals. On va le faire ici. Ouais. Et ce lieu de dépeçage, on va lui demander de dépecer une créature en boucle. Ok. Maintenant, il va nous falloir un feu de camp pour faire à manger. Je sais pas dans quoi ça se trouve. Température. Oui, un feu de camp. On va se faire un petit feu de camp middle. Voilà. Et dans ce feu de camp, quand il sera construit, on lui demandera de faire des plats, si possible. Je vais afficher, enfin, je vais valider la reconstruction automatique des structures détruites, parce que ça m'évitera de penser à tout. Et on va regarder nos zones agricoles possibles. C'est pas violent. Ici, ça va, on peut quand même planter, mais c'est pas violent. Ce qu'on va faire, on va quand même se planter des légumes, parce que pour le moment, on n'a que ça. Hein, donc on va pas faire les petits malinos. On va se faire
Une petite zone. Voilà, où on va planter... Non, on va planter du riz. Pour commencer. Ok. On va en faire une deuxième. Ok. On autorise le semis, bien entendu. Arrêtez. Bon, on a vu que c'était bon là. Je tâtonne un peu. Hein. Alors, bon, pour tous ceux qui sont spécialisés dans le jeu, ne m'en veuillez pas. Les gars, je débute. Je vais faire de mon mieux. Je vais planter du maïs. C'est chouette. Et on va en faire une autre. On va planter du coton. Ok. Je la fais au-dessus. Normalement, faut pas les serrer autant. Je sais. Mais c'est pas grave. Je suis pas bien malin. Et là-dedans, je veux du coton, ce qui pourrait me permettre d'avoir des habits. Ok. Enlève-moi ça. Donc là, on a une maison. T'as pas été chercher du bois. T'as pas été récolté. Ça, tu vas me le récolter. D'accord. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, lieutenant Dan? Relaxation sociale. Tu viens à peine de commencer. Bientôt, on aura peut-être un arc. Déjà, on va lui faire du loisir. Je sais qu'il aime bien s'amuser. On va lui faire un petit piqué de fer à cheval ici, là. Là, voilà. Il pourra jouer ici. C'est chouette. Vas-y, tu veux pas te bouger un peu le cul, gros? Parce que là, on va bientôt avoir des problèmes. Et un lit, on va lui faire aussi. Mobilier. Je vais lui faire un... Est-ce que je lui fais tout de suite un lit? C'est combien un lit? 45 bois quand même. On va lui faire un lieu de couchage. Voilà, tu dormiras là. On va lui faire une petite table. Pour qu'il mange, tranquille. Il n'y a pas de raison. On va la mettre où? Ici. Avec un petit... Une petite 45, une chaise. Et un tabouret 25. Bah, tu mangeras sur un tabouret, mon vieux. Ok, vas-y, active-toi un peu, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire? Lieutenant Dan, qu'est-ce que tu vas faire? Transporte du bois jusqu'au tabouret. C'est un début. Ok, il a planté 3 pieds de riz. Ici, on va fermer aussi, mais alors... Très rapidement. Est-ce que je saurais faire des murs en pierre? Structure. Structure en bois, mur en bois. Je voudrais pas faire des murs en bois, j'aurais voulu faire des murs en pierre. Mais je sais pas en faire pour le moment, d'accord. C'est pas grave. Ça c'est quoi? Transporter. Ça, transporter aussi. Ça va l'occuper. C'est pas très malin que j'ai fait ma décharge ici. Parce qu'en fait, je vais construire ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène du bois. Il a un... Il a une table, il a un tabouret, il a rien à bouffer, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? Du métal compacté? Oh, c'est chouette ça. Ça c'est chouette. Vas-y, tu fais quoi? Dis-moi ce que tu fais. S'il te plaît, dis-moi ce que tu fais. Tu transportes toujours du bois. On va faire x2 alors, la vitesse de transport. Il a pas beaucoup mangé. Il est nu, il a une petite faim, il a froid. C'est pas très grave, mais la nourriture baisse sévèrement. Il faut vraiment qu'il aille manger. Vraiment. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il transporte pour faire son piquet de fer à cheval. C'est une priorité comme une autre. Je l'accepte. Lieutenant Dan, ne fais pas le con. Plante un petit peu de riz si tu veux. Bon, là, attendez, la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Il me semblait avoir... Ça, c'est bien aussi. Là, ça. Prêt à récolter. Récolte. Est-ce que je peux le faire en priorité? Ouais, vas-y. Il faut cliquer sur lui et lui dire va faire ça avec un clic droit. Et là, il va manger. Parce que s'il mange pas, il va tourner la carte, je vous le dis. Hein. Et à un moment donné, ouais, voilà, j'ai pas envie que le pauvre vieux se retrouve. Il n'y a rien d'autre à manger? Si, c'est bon. Tiens, stop, tant que t'es là. Vas-y, récolte un peu de ça, s'il te plaît. Et amène-les en bas. Il les a emmenés? Non, il les a laissés. D'accord. On peut mettre les médocs là, ici. Hein, on a le droit. Morceau de bois, non, on avait dit. Tout ce qui était... Tout ce qui était médicaments, c'est autorisé. Ouais, d'accord. C'est bien parce que là, il fait froid. Ça va y maintenir en bon état. Mon arc, mon gars, on en est où? Le bois, il peut aller là-dedans, le bois? Ou il peut aller... Ouais, il vaut mieux le mettre ici, le bois. Je sais pas où est le bois.
Alors, morceaux, débris d'acier, construction. Non. Morceaux de roche. Non, mais c'est pas là que ça va. C'est pas ce que je voulais. Médicaments, produits manufacturés. Plats, aliments crus, textiles, médicaments, drogue, obus, je m'en fous, chemfuel, ressources brutes. Oui, tout est bon. Le bois, il peut l'amener ici. Ok. Lève-toi, s'il te plaît. Oh, Lyut. Vas-y. Combien il fait dans sa barre? 28 degrés, il fait là-dedans. Waouh. On est en septembre, donc. Enfin, septembre. Donc, normalement, ça pousse. Là, il n'y a rien de fait. Et là, il n'y a rien de fait. D'accord. Tu veux pas te lever un peu, s'il te plaît? Vas-y, je mets en x3 s'il le faut. Quelle heure? Il est 4h du matin. Allez, s'il te plaît, putain. Oh. 6h du matin. 7h du matin, il dort, hein. Putain, nom de Dieu. Il va avoir faim. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je sais pas. Il plante du riz. Et ouais, voilà, risque de démence mineure. Tu veux pas aller me chercher du bois, s'il te plaît? Je lui donne beaucoup de travail, je sais, je lui donne beaucoup de travail, mais j'ai pas le choix. Et tout ça, tu veux pas me le ramener? Oh. Comment on fait pour qu'il amène ça aussi? Je ne sais pas. Il doit y avoir moyen, je pense. Voilà, amène du bois. Ouais, je lui fais. Moi, je suis pas plus malin que lui. Je lui fais amener du bois, alors qu'en fait, il faut que je construise une entrée ici, pour me mettre à l'abri. Je vais lui demander de faire ça. On va faire un mur en bois. Ok. Là. Ça. Non. C'est pas comme ça. Comment je démolis? Ok. Ah oui, c'est comme ça. Très bien. C'est très très bien. Allez-y, mon ami. Construis-moi ça si tu l'oses. On va se faire une première petite killbox. Juste vraiment histoire d'être tranquille. J'aimerais bien pouvoir faire des trucs en pierre parce que j'ai beaucoup de pierres. Ouais, puis lui, il est pas très 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 au top. Est-ce qu'il faut que je fasse un établi? C'est ça la question que je me. Ouais, non, mais en premier, il faut que je mange, mon gars. Si je mange pas, ça va pas bien se dordiller. Et ouais, bah voilà, stop. Mal nourri, putain. Faut que je lui trouve à bouffer. Faut que je lui trouve à bouffer très vite. Et pas très loin. Parce que le riz, il est pas encore mûr. Je vous le dis. Là, 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 là. Viens. C'est tout ce que j'ai à manger sur la map. Sans déconner. J'en ai un autre ici, mais il est pas mûr. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis niveau de lâche. Oh putain, il y en a plein là, je les avais pas vus. Est-ce que c'est mûr? Croissance 100%, vous savez ce qu'on va faire, architecte? Zone. Zone agricole. Ça, c'est une zone agricole, on va dire. Comme ça, là, une plus petite zone agricole. Voilà. Par contre, zone agricole, j'autorise pas le semis. Normalement, si j'ai bien compris, il va venir chercher ici, peut-être. Où est-il? Qu'est-ce que tu fais, gros? T'es parti chercher à manger. Va chercher à manger avant de tourner la carte, s'il te plaît, parce que là, sinon. Alors, si par le plus grand des malheurs, il se fait attaquer en route, on est dans la merde, mais total. D'accord? S'il y a un animal sauvage qui arrive, bon, pour le moment, il n'y a que des caribous, mais ça va pas durer. Je souffre d'inanition, c'est pas bon du tout. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Tourne pas la carte avant d'arriver, s'il te plaît. Et surtout, nourris-toi. Mange.
Ouais, là ça va, il coupe pas les buissons. Stop. Mange. Allez, 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 allez. Inanition. Allez, vas-y, mon petit pop. Stop, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es parti où? Ah, d'accord. C'est prêt à ramasser, donc il va ramasser. Il est malin. Je vais augmenter la zone. On va rajouter là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a un petit peu de bouffe. Pas beaucoup, mais un petit peu. On n'a rien d'avance. Hein. On a zéro thune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, ça va, il travaille. Et tu veux... Ouais, ramène-les, s'il te plaît. Ramène-les à la maison. Attends, il en reste. Non? Ah, c'est pas encore tout à fait bon. Ok. Je pense que je sais pas encore planter. Ah, mais je pouvais planter du soin, moi aussi. J'avais oublié. Rentre à la messe, gros. Vite. Rentre à la messe. Pose-moi tout ça. Plante un petit peu. Si tu... Oh. Éclipse. Oh non. Randy Random. Coyote. Il me cale une éclipse sur le dos. Ce qui fait que pendant ce temps-là, il n'y a plus rien qui pousse. Hein. D'accord. C'est pas grave. J'aimerais avoir assez de bois pour me faire un arc et aller à la chasse. Je sais pas si je peux chasser le caribou dans l'état actuel des choses. Risque de démence mineure, je ne sais pas pourquoi. Grosse faim. Mais mange ! Vague de froid ? Ah non, 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 non. Il faut que je fasse très attention à ça. Très attention à ça. On va créer... Stop, on va créer une zone. Je sais pas dans quoi ça se fait. Social, matériel, besoin, santé. Architecte. Étendre la zone de base. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas la zone de base. Non, ça, c'est pas la zone de base. Ça, pour le moment, c'est pas la zone de base. Et ça non plus. Ok. Ça non plus. Je garde, c'est au cas où il y a des incendies. Hein. Mais c'est pas prévu. Ok. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Lieutenant Dan, qu'est-ce que tu fais? Il joue. Il s'amuse. Par 5 degrés. Vêtements chauds requis, j'ai aucun vêtement. Je suis comme un clodo. Et il me reste 20... Risque de démence majeure. T'es parti où? C'est quoi déjà que j'avais planté là? Du coton. Ça c'était quoi? Du maïs. Croissance 0% et du riz. Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Un colon a gelé. Ah, le coton a gelé! J'avais compris, un colon. Oh non! Randy Random! Connard. Putain, mes plantations ont canné. Tiens-toi à l'abri, toi, pendant ce temps-là. Oh, fada! Ça m'a tout gelé, quoi. Bon, le seul truc, c'est que ça conserve les bestioles. C'est bien, les baies. Je souffre, hein. Là. Bon, j'ai rien à dépecer. Et pour le moment, j'ai rien à construire. Tu veux pas me faire un arc qu'on puisse aller chasser des petits animaux, s'il te plaît? Ça, c'est quoi, on a dit? Machinerie compactée. J'en ai pas l'utilité tout de suite. Ça, il faut qu'on finisse ça. Est-ce que je pourrais fabriquer un établi? Architecte, production. Établi de tailleur de pierre. Ça se fait avec quoi? Du bois et de l'acier. De l'acier, je peux en avoir. Oui. Quoi? Et ça m'empêche de poser le blueprint. D'accord. Je cherche de l'acier. Mais pas loin de chez moi. Ça, c'en est. Ouais, c'est du métal compacté. On va miner. Je sais plus combien il m'en faut. On verra. Bon, tu dors, mon petit bonhomme. Fais gaffe, hein, ça caille, hein, dehors, il fait moins 14. Va pas prendre un coup d'hypothermie, là.
J'ai pas confiance. Il part loin. Hypothermie. Non, 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 stop, 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 stop. Lieutenant Dan. On revient ici. Maintenant. Je t'ai dit, lieutenant Dan. Oh! Viens là. Tu rentres à la maison. Direct. Vite, 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 vite. Ah, 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 ah. Ah, moins 9, il fait moins froid. Non, mais hypothermie, au bout d'un moment, il prend des engelures. Et après, il canne. Tu restes là. Tu attends patiemment que la température diminue pas trop. Voilà, je suis désolé. Tu restes là. Tranquille. Stop, je voudrais gérer une zone. Bon, le travail, on a dit... Ah oui, alors, j'ai rien fait en travail. J'avais commencé. Manutention, ok. Tu feras en 2. Geôlier, tu t'en occupes pas pour le moment. Tu fais en 4. Voilà. Le repos, c'est quand tu as envie. Cuisinier, tu feras en 2. C'est important. Chasseur, tu feras en 2. Fermier, tu fais en 2. Mineur, en 2. C'est-à-dire... Est-ce que je fais fermier ou mineur? Mineur en 3. Je préfère. Forestier... En 2. Tout ça, forgeron, on verra. Couturier, on verra. L'artistique, pareil. On verra. Artisan, en 2, c'est important. Transporteur, tu transportes, tu nettoies. Et chercheur, pour le moment, tu cherches pas. D'accord ? La vague de froid est toujours là. Et bah oui, il fait moins 7. Reste là, tu restes là, tu restes là, t'es bien. Je voulais faire... Donc le travail, on a vu que c'était comme ça. Le planning, c'était comme ça. Les zones. Gérer les zones. Nouvelle zone. On va la renommer. On va l'appeler base. Ok. Où est-elle? Fermée. Comment je la crée? je suis base. Ouais, non, mais base. Ah oui, non, faut que je la renomme. Renommée, on va l'appeler safe. Ok, voilà. Et la zone 1, c'est laquelle? Je sais pas. Safe. Ok, 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 ok. Je tâtonne, je tâtonne, je tâtonne. Comme d'habitude. Zone autorisée, non? Safe. C'est quoi safe? Vous inquiétez pas, je regarderai ça. Vous en faites pas. Vous savez quoi? De toute façon, pour le moment, il n'y a plus de bois dans le feu. Donc je te démobilise. Va manger, t'as la dalle. Tu vas me... Eh ben, du bois, il y en a. Coupe-moi ça, s'il te plaît. Vite, vite, vite. Je fais couper un peu de bois, il fait que moins 3 dehors. Ça va. Voilà. Qu'est-ce que tu fais l'autre? Tu coupes du bois. Tout ce que je t'avais demandé, t'as raison. Et là, tu vas m'alimenter. Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est bien. Lieu de rassemblement, on s'en fout. Où est-il? Va pas prendre des engelures ou des conneries comme ça. Hein. Il fait moins 2, c'est pas... Je sais qu'on a vu pire, mais quand même. Où t'es parti? Ah ouais, il a tout ça à faire aussi, putain. Il va mourir. Je vais jamais réussir à le gérer. Il va avoir trop de travail. Qu'est-ce qui se passe? Les médicaments se font rares, la nourriture se fait rare. Je sais. La vague de froid est toujours présente. Moins 3. Je souffre. Il souffre. Nous souffrons. Arrête, 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 arrête. Ça, c'est bon. Tu peux les consommer. Récolte échouée. Oh non. Non. C'est une buse. Il a même pas réussi à récolter des trucs. Attendez. Stop. Ça, annulé. Ici, il y en a. Je vais pas lui enferminer trop à la fois. Parce que j'ai pas confiance. Allez, rentre. Rentre vite, mon petit pote. On n'a rien pour se protéger. On n'a pas d'armes. Si jamais on est attaqué, on est décédé. C'est propre et net. Clair et net. On a un tout petit peu de bouffe. On n'a plus de bois dans le feu. Stop. Fous-moi du bois là-dedans, s'il te plaît.
Dépêche-toi. Arrête de faire le con, hein, s'il te plaît, parce que ça va pas le faire. Ok. Stop. Bon, les amis, on va se quitter là-dessus pour ce premier épisode. C'est rude, c'est rude, c'est rude. Le jeu est dur. J'ai commencé sur du très dur, je l'assume. Ce n'est pas grave. On va se retrouver très prochainement pour la suite des aventures de ce vieux calabré de lieutenant Dan, très mal peigné, qui se retrouve dans la toundra, tout seul, comme un con, sans habits, et en pleine vague de froid. Donc portez-vous bien, soyez prudents, habillez-vous chaudement, mettez des bonnets, et à bientôt pour la suite des aventures, camarades.